Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai lu avec en premier le livre de Engie de la chaîne Maman 2.0, Comment je suis devenue youtubeuse. Et enfin, Gardien des cités perdues, tome 7, que j'ai décidé d'abandonner. Le livre d'Engie raconte tout simplement son parcours entre vie personnelle et professionnelle pour en arriver jusqu'à sa chaîne d'aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé super chouette sa manière de raconter les designs de certains dessins, comme j'essaie de vous montrer les dessins comme ceci, vous voyez. Je vais vous montrer un peu mieux. C'est ce genre de dessin que je trouve vraiment hyper chouette. Vraiment un texte page-turner, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ouais, non, vraiment une très très chouette lecture qui n'est pas forcément obligée de se lire d'une traite. Hein. Ça peut se lire avec un autre livre sans souci. Ça m'a assez rappelé sur certains points, même si ce n'est pas le même, je trouve pas mes mots, désolée. Le même type de livre. Ça m'a fait pas mal penser justement à Lena Situation. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'histoire. Je me réjouis d'en lire d'autres à l'occasion. Et donc du coup, je vous recommande ce livre si vous ne l'avez pas encore lu parce qu'il est vraiment top et je vais le garder très précieusement. Et enfin, le final, mais aussi l'abandon dans cette vidéo, c'est donc le tome 7 de Gardien des cités perdues, qui est à la base, qui était du coup à la base jusqu'à présent ma deuxième saga préférée, après Le Pays des Contes, que je vous avais présenté en toute première vidéo. C'était encore le cas, en ce qui concerne le fait que ce soit une de mes sagas préférées, c'était encore le cas quand je vous ai présenté les tomes 4 et 5, je crois. Non, 5 et 6, enfin bref. Et là, ça fait 2 semaines que je suis sur cette énorme pavasse. Bon, elle fait, je crois, 7... si on compte pas les remerciements... Alors... Si on ne compte pas les remerciements, elle fait 760, allez, on va dire 763 pages. J'en étais à la 421e ce matin et je remonte le livre, désolée. J'ai vraiment décidé d'arrêter à ce moment-là. Ce qui m'a fait arrêter, en fait, c'est des raisons toutes simples. Déjà, c'est écrit, je trouve, hyper petit, selon moi en tout cas. Ça commence à être écrit assez petit. En tout cas, pour moi, c'est petit. Je ne vais pas vous montrer plus près pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu jusqu'au tome 7, je crois. Mais pour moi, déjà, donc c'était de la police beaucoup trop petite. J'avais l'impression que je me fatiguais à essayer de lire, parce que même si on lirait en diagonale, il peut quand même y avoir des parties importantes qu'on peut manquer en lisant en diagonale. Et surtout, je trouve que ouais, ça commençait à s'essouffler un petit peu, beaucoup trop, qu'on restait beaucoup trop longtemps sur un même sujet avant de partir sur autre chose. Donc je me suis dit, bon, ça fait 2 semaines que tu y es, normalement j'aime pas du tout abandonner les livres, surtout pour des livres que j'ai aimés comme Gardien des cités perdues, mais là il y a tellement d'autres livres je trouve super à découvrir ou même qui m'attendent tout simplement dans ma palle que du coup je vais l'arrêter là et il fera sûrement d'autres heureux que moi. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !